j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Mélie. On est avec moi-même. On est avec Momo. Donc là, on est dans la voiture. On va à l'aéroport. Pour aller en Croatie, en fait. C'est tout. Tiens. Donc là, on est à l'aéroport. On est enfin arrivé. Et on est avec Vanessa. Donc, mais là on attend que l'avion. Là on est en train d'attendre que l'avion y arrive et on est en train d'attendre. Voilà, on va bientôt décoller. L'avion il est juste là. Du coup là on va bien. Hey. Ouais, donc là du coup on va monter dans l'avion. Je vais monter là et je vais montrer l'avion. Je sais pas si vous le voyez. On va monter. On est tous en Belgique là. Là, on va monter dans l'avion. Là, on est dans l'avion. Je suis avec Mélie, Erika. Donc, là, je suis niveau là. Parce que c'est tout le temps moi qui parle. Il n'y a pas en fait. Donc je vous revois quand on décolle. Bye. Je veux dire bye bye Dubaï. Allez, on pousse. Voilà, là on vient de décoller. Attends, mais je crois que je vais m'en. Erika, la présentatrice de tout le début de la vidéo. Là on a décollé. Erika, elle va. Tu vas faire quoi pendant le vol? Elle va jouer à Dino. Et elle va jouer à ce petit jeu là avec des serpents. Et moi je vais écouter la musique. Quand Erika aura fini de regarder son film. Et là les autres ils font des vidéos et ils vont faire une get ready with me là, je sais pas quoi. Get ready with me. Ils vont faire une skincare, une préparation et tout. Regardez. Là on a tous atterri, bien atterri, là on va aller chercher le sac à sasso. Mais non, il est trop loin de moi. Ici il y a mon sac. Voilà. Ah. Du coup là on va chercher le sac à sasso. On va sortir d'ailleurs parce qu'il fait trop chaud et il fait tout noir, regardez. Là c'est le soir. On va aller. Photo hyper belle. Oui, on en mettra quelques-unes sur l'écran. Et après on va manger à l'hôtel. Ils ont préparé à manger pour nous. C'est vrai? C'est vrai? On va aller manger de la bouffe? Oui, mais c'est pas les salles, fait nos assiettes. Hein. Mais j'aime pas la salade. Tiens, moi j'ai pas fait ça. C'est salade, hein. C'est pas écrit. La première fois que je rentre dans un truc comme ça. Ouais, moi aussi. On est arrivé. Ça sent trop. On est arrivé là, le taxi nous attend normalement avec un panneau avec écrit Serena Cup. Comme d'hab. Moi quand on rentre dans la chambre, c'est bien que toi. Je me souviens qu'on avait été, je sais plus dans quelle compète, ils étaient arrivés avec des massues. Et avec des massues pour. Ah ouais, c'est à Perpignan. Je mets derrière. Non, moi je veux pas me mettre derrière, je me mets devant, au moins je peux filmer. Ah, il est chien. Au moins je peux vous filmer, mais laissez aller derrière, au moins je peux filmer comme ça. Elena, va derrière, au moins je peux filmer. Angie, viens près de nous. Pourquoi vous allez devant comme ça? Mais oui, au moins je peux les filmer. Mais justement. Mais on peut pas avancer d'un truc parce que nous, tu vois, c'est trop haut. Et du coup, on ne voit pas. Tu veux que j'avance un truc? Vous, vous avancez et nous, on avance. Ok, vas-y.
Moi je reste. On avance tous. Mais du coup je vois pas les filles derrière. Mais mettez-vous là. Moi je me mets là. Faut une fille qui se mette là. Moi. Et là une se met là. Ouais. On me voit même. Voilà, c'est bon, on voit tout le monde. Là on est dans le car, on va faire 30 minutes de route et j'espère qu'on va être à temps pour avoir le petit buffet. Ouais, j'espère. On est à l'hôtel, il est genre beautiful en fait. On est dans un palais, littéralement un palais. Vous savez c'est quoi un palais? C'est ça. Ça c'est le palais. Palais du génie, voilà. Oh, ma beauté naturelle, t'es là? Ouais. On est arrivé là. Elle est où la plaine de jeu? Non, elle est dans l'hôtel. C'est vraiment une plaine de jeux dans l'hôtel. Oh, pardon. Oui, il y a une plaine de jeux dans l'hôtel. On est arrivé, les copinous. Regardez-moi ça, genre vraiment. Le ciel est fou. Regardez l'hôtel, il est genre trop beau. Clap. Regardez. Les petites... C'est le même hôtel en Non, on était dans un camping. Là, on est dans un truc de luxe. Il y a comme dans les films d'Amérique. Attendez. Wesh. On peut pas. On peut. Mais pas du tout, on ne peut pas prendre ça. Mais c'est genre trop beau. Avancez les filles, avancez. Mais c'est genre un peu près. Non. Attends. C'est moi, c'est un magasin là-bas. De rêve. Non. Mais mec, c'est plus qu'une structure là, c'est une dinguerie. On passe d'un camping à un hôtel, je sais pas combien d'étoiles. 5. Hein? 5. Plus que 5. C'est moins. En plus, ça sent bon. Mais ouais. C'est pas que les collèges. C'est pas des magasins, ça. Gardez, genre. Ils me disent un truc de riche là. Attends les gens, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Vous allez voir genre le truc pour bouffer. C'est genre attendez. Mais ouais, je vous dirais. C'est justement ça que je veux en fait. Hey, si vous dites son nom, je prends. Hein. On se met là. Ouais. Maman, ici. Maman, tu veux aller faire mes assiettes? Les gens, c'est fou, hein. Là, on est dans l'hôtel, genre, il y a un supermarché dans l'hôtel. Je crois que c'est trop dur. Non, c'est pas gratuit du tout. Ah, c'est le C'est genre immense. Ouais, regardez. C'est méga grand. Il y a plein de trucs, regardez, genre c'est genre gigantesque. Regardez, il y a encore des trucs genre. Genre regardez une seconde, les filles doucement. Regardez,
j'ai pris des tranches de poulet avec du riz au thon, avec c'est juste du thon cuit, il n'y a pas de sauce, avec du maïs. Là, c'est des nouilles au poivron, du poulet avec des aubergines, des choux-fleurs et un petit peu de nouilles, avec une soupe. Du coup, je vais vous faire le room tour de l'hôtel. Du coup, quand on rentre, il y a un couloir face à nous, là, et un couloir là. Du coup, là, on va commencer par le couloir en face de nous. Du coup, quand vous rentrez, on a un petit hall comme ça. Là, c'est pour mettre les vestes. Ici, on a un giga miroir avec des lampes. Et ici, on a une petite œuvre d'art. Ensuite, ici, nous avons une autre porte avec une toilette. Je sais pas comment on allume la lumière. Il y a plein de lumière partout. Bref, c'est une toilette normale, basique, sans rien de spécial. Voilà. Ensuite, ici, on a le salon. Là, on a le sac à cerceau. Voilà, comme ça. Avec une grande lampe. Et là, c'est le grand salon méga giga grand. On a deux canapés. Là, on a deux poufs. Ici, on a un petit feu ouvert. Avec une giga grande télé. Là, on a la cuisine. On peut faire à manger ici. Là, on a les cafés. On a plein d'armoires. Ici, on a un frigo avec des boissons. Et là, on a une grande, grande table avec une méga belle lampe et tout. Et là, nous avons la giga terrasse. Ok, du coup, on continue la visite. Hop, on vient ici. Hop, et là, on va aller dans le deuxième couloir que je vous avais dit au début, qui est juste là. Et là, on va aller à droite. À droite, ici, on a la salle de bain avec une douche, une toilette, le giga grand évier, trop stylé, un sèche-cheveux, le grand miroir. On a juste le bain comme ça. Ouais. Ici, nous avons une garde-robe immense. Et là, nous avons la chambre d'Erika et Lia. Salut! Ils ont vu la télé? Là, il y a la télé que Erika essaie de faire marcher. Là, il y a encore un miroir giga grand, une table de nuit. Là, il y a les trucs pour mettre les vestes. Hop, et ici, on a encore une garde-robe avec les tuniques. Voilà. Ensuite, on va passer à notre chambre, à moi et ma maman. C'est genre incroyable. Là, on a le premier dressing, comme ça, avec des peignoirs, des claquettes. Hop, comme ceci. Avec juste ici, la douche vitrée, comme ça, méga grosse, genre vraiment incroyable. Ici, on a encore une toilette. Je sais pas si c'est la quantième, mais on en a vraiment beaucoup. Là, c'est un premier évier. Le grand deuxième. Une petite étagère comme ça. Elle est vraiment vintage. Là, on a un giga miroir, genre. Ensuite, là, on a un deuxième giga miroir. Et vous avez pu cramer le giga bain. Genre, il est immense. Hein. Genre, moi et Momo, on rentre dedans. Allongé. Ensuite, là, on a le lit de deux personnes pour moi et ma maman. Un truc pour mettre les pieds, une télé et encore la vue sur la piscine. Genre incroyable, genre la chambre elle est méga stylée. Moi je dois faire pipi par contre. Regardez qui voit l'âge. Mais qui voit l'âge. Mais qui voit l'âge. Daddy Day prend son bain. Le bain il fait genre 40 fois sa taille. Non, je peux pas sur le gros écart. Je veux voir, j'attends. Le grand écart, Lia, entre les deux. Entre les deux, allez. Il y a les Suisses, tu veux, pour mettre ta jambe derrière. T'as vu, Lia, moi, ça fait deux secondes, ça vient. Toi. Tu dois pas mettre ton genou, je pense. Encore plus. Là, c'est mon pied, là.
Parce que j'ai eu la brosse chez Erika. Je suis trop bête. Mais c'est pas grave. Yeah, tu dis bonjour. Bonjour. Salut. Ça, c'est la terrasse de notre chambre. Ouais. Du coup, voilà. Là, je viens de me réveiller. À l'instant, on a été voir la vue. Elle est genre magnifique. Du coup, maintenant, je vais m'habiller, me laver le visage et tout. Et ensuite, je vais faire le maquillage d'Erika et son chignon. Émilie, elle fait mon chignon. Pour l'entraînement. Ouais, pour l'entraînement, parce que je vais m'entraîner en fait. Ouais, avant que je te maquille d'ailleurs. Après, moi aussi, je vais brosser mes dents. Et après, on va aller déjeuner. Je finis. Je vais filmer la partie là où je vais manger. Hein. Il n'y a pas en fait. Donc, ouais. Mais lui, il fait pas trop mal. Pas un chignon pour compétition. Hein. T'inquiète. Non, c'est pas bon, je suis pas prête. Vas-y, tu peux tourner devant cette magnifique vue d'ailleurs. Je sais pas si je te filme toi ou la vue. Donc là, elle a fini mon chignon en fait. C'est incroyable, merci Bélie. De rien. Voilà, là j'ai fini le maquillage de chignon d'Erika. Chaque année, vous allez voir l'évolution. Et là, on doit descendre pour prendre le déjeuner. J'ai fait d'ailleurs aussi la coiffure de Lia. Salut! Elle est trop belle. Et la mienne. La mienne, j'ai fait en 3 secondes, littéralement. Parce que il y avait encore celui d'Erika que j'avais pas fini, du coup j'ai dit ça. Il y a Alanis. On est sportif ou on l'est pas? Hein. C'est bueno. Bon, ça, ça allait vite. Ben oui. Mais monter, c'est encore plus dur. Là, on est dans le magnifique hall d'entrée. Regarde-moi ça. Regarde. Il y a encore Alanis. Ouais. Regarde Alanis, t'as vu le beau chignon que j'ai fait à Erika et le maquillage. Mon évolution, elle est bien. C'est plus gros. Je monte ta tête. Ok, attends. La mouille est magnifique. Regarde. C'est joli, hein? Ah, c'est pas là? C'est du houmous. Hé, Erika! C'est des pancakes végis. Ils sont où les pancakes normales? Allez, je prends un croissant. Ouais, ouais. Un peanut. On commence par quoi? Oh, ça c'est trop beau! Mes bébés, je vais bientôt vous découvrir! Ça j'aime trop aussi! Moi j'aime bien les. J'ai été chercher mon déjeuner. Là j'ai pris le salé. Les filles elles sont là avec tous leurs trucs bien, bien gras là. Elles vont revenir, elles auront pris 10 kilos à la balance, elles vont se faire tuer, mais bon. Lia, attends! Papa, c'est bon? T'es prête pour la compète? Et Elina, pressentie pour la compète, ça va aller? Ça va aller. Ça va, Angie?
qui? Il est là. Oui. T'as tout fini déjà? Voilà, là on est dans le bus pour aller à la salle pour faire la compète d'Erika et de Elinda. Là on est toutes prêtes et tout, on va aller tous s'entraîner, on va essayer de pouvoir s'entraîner, sinon bah tant pis. On va aller les encourager, on espère qu'elles vont bien faire. Là on a, je sais pas combien de temps, je pense presque 30 minutes de route. Non, moins. On a combien? On a 10-15 minutes. 10-15 minutes de route et après on va arriver à la salle et on va pouffer. On est avec On est arrivé à la salle. On est un peu en retard du coup. Go, go, go. Il y a encore caca. Ouais. C'est ma su. Et là, on va aller s'entraîner si on peut. J'espère. Toupé. C'est cool, des affaires. À la salle pour nous. Waouh. On va pouvoir s'entraîner. On prend, prends une chaise. On réserve déjà les chaises parce qu'il n'y en a pas. Elles sont lourdes. Viens maman, on va chercher les autres. C'est bien, on va pouvoir s'entraîner. Ouais, je suis contente. On vient de finir de s'entraîner, on est passé en musique et tout. Pas moi. Parce qu'elle voulait pas. Mais non, mais après. Après quoi? Bah après. J'entrerai pas ça après. Ouais. Bah okay. Elle est pas encore passée. Ouais. Là, il y a les deux filles qui sont en train de s'entraîner. Elles sont méga peur, hein, les pauvres. On va aller de l'autre côté là, parce que... Elles sont là. Et voilà, du coup là, on va aller sur le tapis. Nous, on va aller dans les crânes. Mais je vais être... Je vais demander si elles veulent que je sois avec elles ou pas avant qu'elles passent. Faire peut-être ta mère, peut-être ta mère. Sinon, on a peut-être dans les crânes. Non, mais de toute façon, moi, je reste derrière et après, je vais dans les crânes. Ouais. Tu veux dire coucou? Coucou. Les filles, vous voulez que je sois avec vous ou pas avant que vous passiez? Ouais. Vous, tu veux que je sois avec toi avant que tu passes? Derrière? Ok, je serai derrière alors. Du coup, je vais donner mon tal à Lia pour qu'elle filme. Elle passe quand les filles? Bah non. Non, mais les autres. Ah, les autres demain. C'est toutes les divisions 2, elles passent demain. Ah, okay. C'est juste nous trois, on passe aujourd'hui. Du coup, voilà. Tantôt! On a fini la compète d'Erika et de Elina. Elles sont contentes d'elles. Elles ont bien fait. Elina, elle a fait quelques pertes, mais c'est pas grave. C'est sa première compète. Elle a tout donné. C'est le plus important. Voilà, du coup là, on est arrivé à l'hôtel. Erika, elle a géré. Je suis contente. Hein. Elle est super contente d'elle. Ben, elle a mérité. Hein. Maintenant, nous, on va aller déposer des affaires et puis on va manger. Pendant la nuit, je vais ouvrir sa bouche comme ça et je vais lui faire. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai terminé de manger. Là, j'ai pris juste une banane avec. Et on va. Moi, je monte dans la chambre pour commencer mon chignon. Mais je pense que d'abord, je vais me reposer pendant une heure. Je vais repasser mon ruban, regarder un peu mon tel, et après, je vais me préparer et tout. Mon sac est déjà prêt, du coup ça va. Je commence à stresser, j'ai trop peur. J'espère que je vais bien faire. À tantôt. L'ascenseur, il fait trop flipper, regardez. C'est tout la même chose. Mais là, ça va, il y a un miroir. Mais dans l'autre, il n'y a même pas de miroir, genre, c'est vraiment flippant. Là, on est arrivé au quatrième étage. Regardez leur hôtel.
Ça, c'est le hall. Il y a juste deux chambres. La nôtre et celle des autres. Enfin, de notre groupe, mais... Et nous, du coup, on a un grand truc, genre gigantesque pour nous, genre un appartement. Hop. On met la clé dans le petit truc pour que ça fonctionne. Hop là. Et voilà, là, on est arrivé dans notre petite suite. Du coup, moi, je vais repasser mon peu bon. Je vais le continuer parce que d'ailleurs, j'ai fait que le début. Je vais mettre ça dans le frigo. Moi, j'aime bien quand les bananes, elles sont froides. Hop. Voilà. Voilà, moi, je suis ici avec toutes mes affaires pour me préparer et la vie. Du coup, là, je vais faire mon chignon. J'espère que je vais bien le faire. On va essayer de faire un beau truc. Et voilà. Jean, je suis sur la terrasse. Et regardez qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Elles veulent que je les filme. Et dire que là, genre, je peux juste m'installer là et bronzer, et c'est genre sur notre terrasse. Genre incroyable. Demain, je vais bien profiter, lundi et tout, mais là, on reste concentré sur la compète. On va commencer le chignon. Voilà, j'ai terminé mon chignon et mon maquillage. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais me mettre dans un endroit où il n'y a pas de lumière du jour. Voilà. Je sais pas si vous aimez, mais j'ai mis des couleurs pour ma chorégraphie. Donc j'ai mis du jaune et du eyeliner noir pour être ma première tenue. Avec ma deuxième tenue, j'ai du kaki juste là. Et ma troisième tenue, c'est le bleu ici avec le noir et le jaune. Du coup, ça va, il y a un peu toutes les couleurs. Mon chignon, je l'ai vraiment genre géré de ouf. Il tient méga fort, regardez. Il est, je pense, parfait. Il ne vaut pas trop trop. Voilà. Je pense qu'il est assez bien. Je regarde un miroir comment je suis, mais je l'ai pas mal. En vrai, je l'ai géré de ouf. Hein. Voilà mon chignon. Là, je suis toute prête. Là, je vais me mettre sur le transat. Et je vais écouter de la musique près de la mer avant de passer en musique. Du coup, là, bah, je vais me reposer un peu juste là. Je sais pas si vous voyez. Juste là, sur les transats, sur la terrasse. Avec cette magnifique vue. Et quand il sera moins 10, je prendrai mes affaires pour y aller. À tantôt! Coucou, du coup là je viens de descendre avec mes doudous et tout. Je suis comme ça ici et je vais aller à la mer toute seule voir si l'eau est bonne. Oh, ça s'ouvre, magie magie. Je vais pas aller dans le sable par contre parce que je suis avec une plaquette. Ici un petit passage tranquille. Et bien sûr, j'ai mis du sable. Bravo, Mélie. Attendez, mais regardez-moi ça, juste en fait. C'est beau, hein? Avec les petits palmiers. C'est trop bien. Je me promène. J'espère que je ne vais pas trop stresser. Donc là, je vais faire une petite promenade. Et puis, on va retourner dans 5 minutes, on part. Hein. Je fais une toute petite promenade et puis je reviens. Voilà, je me suis installée là. C'est trop beau, vraiment. En plus, l'eau, elle est trop bonne. On est dans le car. Je suis toujours à côté des. Là, on est prête. Dans 15 minutes, on arrive à la salle. Du coup, ça va, j'aurai genre 2 heures et quelques pour me préparer. Il y aura grave le temps. Purée, je stresse trop. Salut. Coucou. Ça va, monte ton maquillage. Ferme tes yeux. Waouh, c'est trop beau. Ouais, t'as... Mélie! T'as la chance que c'est moi ton coach. C'est abusé, là. Voilà. Voilà, changement d'engin. Ouais, t'as très bien faire cette fois-ci. Il te faut un coach sévère. D'accord, allez, vas-y. Ton risque de la faim là, tu lances que tu rates tout le temps comme ça.
à la fin. Ouais. Allez, vas-y. Salut. Donc là, en gros... Là, il y a Méliel Centre. Ouais, je vais vous la montrer. Allez, je vous la montre en 3, 2, 1. C'est celle-là avec sa tunique vert fluo, avec son pantalon, avec ses cerceaux. C'est au maximum américain. Vous la voyez? C'est là qui fait son chiné-chiné avec la roue. Donc là, Mélie, elle a fini mon chignon. Elle va me maquiller. Il est trop beau, Mélie. C'est vrai, t'as mis ? Ouais. Là, Mélie, elle a fini mon maquillage. Elle a fait trop bien, je trouve. Tu donnes un combien sur 10, Mélie ? Un petit 8. Très beau maquillage. Moi, je donne un 9. J'adore. Il y a juste mon gros front qui gêne. Parce que le taxi est en retard et du coup Angel va devoir faire méga vite. Et vous voulez faire bien tout pour être bien chauffé. Du coup Angel, je vais faire plus vite avec. Salut. Voilà, il y a Lia la princesse. Et moi. Et pas bien grincheuse. Grincheuse. Manger avec Mélie. Angie, on te voit une fois. Voilà, je m'appelle Grincheuse. Là, on attend que Momo et Ornella passent. Regardez. Elles sont en train de travailler et nous, on monte. Salut! Les filles sont arrivées pour voir Momo. Elles passent bientôt. On va se mettre là, à ce côté. Les gens, ils mangent un McDo, ça donne trop envie. Ça sent trop bon en plus. Oh, Momo a fini sa compète. Elle a super bien fait. Là, il y a encore Erika. Et on va aller visiter Zadar. Du coup, là, on part, on est dans le taxi. Là, on est le premier groupe de filles. On est que trois en fait. Et on va aller en ville, on va aller faire des photos, manger une glace. Pour le plus grand bonheur d'Erika. Tu sais déjà quel goût tu vas prendre? Non. T'as réfléchi à la glace pendant tout le séjour et t'as même pas pensé quel goût. Mais bah, papa, allez, on va aller chez Aller Hop. Acheter des doudous. Oh, je trouve qu'on achète tous un bracelet. Ouais. C'est trop bonne idée. Mais après, moi je le perds toujours. Et Erika aussi d'ailleurs. On s'en fout. Juste, c'est pour le plaisir d'acheter. Ok, alors. Le plaisir de dépenser. Ok. Lia, elle a dit qu'avec son argent, elle voulait acheter un truc à mon papa. À ta mère. Du coup voilà, on se retrouve quand on est là-bas. Bisous. Ouais. On est dans le centre et on est là où il y a le bruit de l'orgue. Je vous laisse écouter. Momo. Je sais pas si vous entendez, mais bref, c'est super stylé. Du coup voilà, regardez la vue de malade mentale. Je sais pas si on voit, mais en tout cas, c'est vraiment super stylé. Oh my god! Attends, montre-moi, oui. Salut!
Ça change rien. Moi, ça fait un beau truc. Là, on entend fort. Du coup, là, on part et on va visiter d'autres trucs où je vais vous aimer aussi. Là, du coup, là, il y a... Oh, il y a le coucher de soleil. Oh, attends, il est encore haut, peut-être. Et là, il y a Lia. Regardez, c'est joli. Et là, il y a moi. Là... Voilà, on est arrivé au marché. Là, on va faire un petit peu de shopping avec nous. Shopping. Ouais. Ouais, elle veut Momo qu'on achète un bracelet en commun. Moi j'ai rien à prendre pour ma maman. Salut. Là on est à Aliop. Je suis la star. Mon doudou. Ouais mais moi je sortir dans l'hôtel. Je peux attirer dans l'hôtel. Et moi je suis la star. Lia elle a pris un petit carnet, montre. Là où j'ai fait mes dessins dedans. Comme moi wow. Je fais ça quand j'ai collé des photos de la vie. Je le tiens dans mes bras. On a droit à un oreiller. Et tu devras tenir celui de là. Allez, bah, c'est à mon tour, allez. Mais regardez, je suis sur un truc de massage, c'est incroyable. Mais moi, mon et moi, et Angie, elle râle tout le temps. Allez, bah, oh, c'était bien, là. Tu dis coucou. Voilà, on a fini d'aller au magasin. Et Lucas, elle a pris ses best lunettes. Moi, j'ai pris le doudou Ircado. Et Lia, elle a pris un carnet. Pour les mettre les photos de Croatie. Là, on repasse devant tous les trucs pour pouvoir manger. On ferme les yeux et on retourne à l'hôtel pour manger le bon buffet. Et après la soirée pyjama. Regardez tout ce que j'ai acheté. Un petit doudou, des lunettes et un maniac et un porte-clé. Mais je vous montrerai à l'hôtel pour être plus tranquille. Voilà où les filles ont fini leur bain. C'était à bien part moi. Ouais. Vous avez fait les faux-fals ? Ouais. Vous avez bien tout mouillé là. Regardez ma nouvelle sirène. Que... Elle est belle, hein. Ouais, elle est trop belle. Regardez ma nouvelle maman. Donc ouais, quoi, c'était bien en vrai. C'était bien. Ouais. En vrai. T'as arrêté de pleurer. J'aime pas les séjuries. Les quoi ? Les séjuries. Tu m'as demandé. T'aimes pas les jurys ? Non. Il dit Lia DDC LIAH avec deux. Mais moi j'étais faute. Lia. Du coup on se retrouve quand il y a Momo. La vache avec nous. Attends, ma tête avec moi. Voilà, on est arrivé mémé hein, à la piscine. Oh là, du coup, là on est toutes prêtes. Erika, Angie. C'est Lia en fait. Elle est plus loin sûrement. Voilà, là on va aller dans la piscine. Voilà, je suis avec Lia. Elle a méga froid. Regardez, on dirait la nonne. Là on est ici à la piscine. On va prendre une promenade. On va prendre une promenade. Il y a Erika aussi. On va se sécher. Il y a le soleil là maintenant, c'est chouette. On va filmer toute la promenade. Non. Ah, ça va être trop bien demain, je suis dans les. Ah, c'est là où il y a le truc de tennis. Oh, bah, et là, il y a une plaine de jeu. Pour un chiffre. On va marcher jusqu'à la mer, je pense. Oh là là. Là, on sèche en marchant un peu parce que. C'est trop froid à l'intérieur. Là, on est au soleil. Viens, Erika. Voilà, tantôt. Voilà, on est arrivé à la mer. On a vu un petit poisson. On a vu un poisson, on a vu plein de lézards. Et regardez l'eau, comment elle est belle. On va aller nager. Moi, je vais aller nager en tout cas. Ouais. Moi, je vais mettre mes pieds déjà. Pour moi, commencer. Elle est belle. Franchement, elle est bonne. Juste l'endroit où t'as la limite, c'est froid. Ouais. En fait, tout ce qui est dans l'eau, c'est bon. Et juste là, c'est froid. Vraiment. Voilà. Tes petits pieds vont bien. Je serais prête à les venir. Pas moi. Et j'irai après quand. Moi je déconne, c'est là. C'est la mer est aussi froide. Du coup là on a enfreint les règles, on est venu dans notre ancien camping de l'année passée et de l'année passée passée. D'ailleurs il y a un lézard, c'est ça. Et on a été dans la piscine, on n'a pas été dans la piscine mais on a fait quelques toboggans avec Erika.
et Lia. Salut. Et Momo. Et on a fait quelques toboggans et tout. Et on a été jouer dans la plaine de jeu avec notre balançoire fétiche de chaque année. Voilà, c'était super chouette. Maintenant, on doit retourner à notre hôtel de luxe pour aller. Je sais pas. Je pense qu'on va aller manger le buffet, mais je pense. Ouais. On va finir la balade jusqu'à l'hôtel et on va aller manger. Du coup, là, on est arrivé. Il y a l'apéro. Regardez. Il y a des calamars, il y a des frites, il y a des légumes, il y a plein de burgers avec plein de trucs dedans. Il y a des pitas, il y a des pizzas. Regardez les pitas, elles sont juste là. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a plein de trucs. Là, il y a tous les fruits. Il y a ici des trucs à manger. Et moi, j'ai pris ça. Une aubergine avec deux calamars et des maïs. Et Angie, elle a pris ça avec une part de pizza. Et Lia, elle a pris deux parts de pizza. Et Erika, elle a pris des calamars avec des concombres. T'as enlevé la pizza. Coucou. Là, on est revenu, on a pris nos assiettes. Moi, j'ai pris des concombres avec un truc turc, je sais pas quoi, avec plein de légumes. Un pain, deux brocolis et un peu de truc, je sais pas quoi. Ah oui, de chou-fleur et avec un peu un truc que je sais pas trop c'est quoi, mais on va goûter. Mais j'ai pris un tout petit peu. Et plein de concombres. Lia, elle a pris des frites, du pain, du couscous et des concombres. Et Erika a pris des concombres avec des petits pois chiches grillés, du riz et des tomates. Et Angie elle a pris des pâtes avec une pizza et des frites. Voilà. Et du ketchup. Ouais. Là, j'ai bien fini de manger. Maintenant, je vais faire le dernier tour près de la plage, toute seule. Les autres sont encore en train de manger. J'ai demandé, ils ont dit oui, mais dans 8 minutes, je dois retourner. Regardez, ça va me manquer. C'est le début du coucher de soleil. Du coup, là, on va prendre le taxi quand il sera 18h. Et après, les petits palmiers. Après, on partira. Du coup, là, on est arrivé à l'aéroport. On a tous les bagages ici. Là, on est le premier groupe de filles. Après, il y a encore l'autre taxi qui arrive. Voilà, là, on essaye tous les produits du magasin parce que notre vol a 4 heures de... Il y a 2 heures de retard et on était déjà 2 heures d'avance. Du coup, go attendre 4 heures. On teste tous les petits produits, on fait une belle skincare. Moi, j'avais déjà mis le rouge à lèvres de chez Clinique. Et il est vraiment bien. Je pense que c'est bon, là, ça coule plus mon rouge à lèvres. C'est bon, hein. C'est frais, c'est bien. Frotte ça avec tes mains. T'en as partout. Voilà, là on va commencer à embarquer. Il est 22h32 et à 23h15 on décolle. Je suis en train de décéder là. Erika aussi d'ailleurs. J'en peux plus. Dans l'avion, je regardais ma série hein, pendant tout le trajet. Ouais, là on devrait être en Belgique. Je suis en train de mourir. Hein. J'ai fait que regarder ma série après que je vous ai filmé. Du coup, il s'est rien passé d'autre. Je suis en train de mourir. Tous les magasins, ils sont occupés à fermer. On se retrouve dans l'avion. Coucou, on vient d'atterrir. Fatigué. Voilà, pour retourner à l'école, là, on n'a pas envie. Ça va? Vraiment? Non. J'ai trop mal aux jambes, on marche comme ça, ouais. Là, on va récupérer les cerceaux et après on part. Voilà. Coucou, là il est 1h20. Je suis toujours avec Lia. Attends-toi dans la voiture. Lia, ça va? Je viens t'écraser dans la voiture. Coucou. Je viens d'arriver chez moi.
Il est 2h41. Et je me suis mis en pyjama. Je suis crevée. Donc voilà, le vlog de Croatie est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, explosez le compteur des pouces bleus. Activez la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Et si c'est toujours pas fait, abonnez-vous. Bisous. Ciao.